Épisode 8. Donc 1470, hein, après la couture, Léonard étudie la confection, donc sur un mannequin de confection. Chaque fois, il faut en constituer un pour chaque vêtement. La géométrie de base est créée par des petites poutres qui exhortent scrupuleusement en transmettant à la hâte l'élocution qui y est liée. Scrupuleusement, il faut s'attarder sur l'assemblage en bois robuste. La géométrie de base est nécessairement conforme au devoir, démontrant le bienfait de sa forme pour faire pour faite pour raconter tacitement en plus de garder en mémoire. De fait, pareille à la fidélité, elle transmet les craintes réelles, aptes à exhorter et garantir un dommage local. Donc là, les écrits, hein, c'est très succinct, hein, c'est des petites phrases, et une grande partie de ces calculs, de ces mesures, ne sont pas écrits en spéculaire, mais de gauche à droite. La confection. On nous dit, quelquefois, la réalisation présente des anomalies de ligature. Les tissus. Il faut refaire le montage et en débarrasser généreusement le vêtement. Exécuter convenablement et d'une façon uniforme l'égalisation des coutures et apprendre à bien adapter les proportions des étoffes teintes pour réellement et avec qualité apprendre à bien adapter le vêtement. Il faut amplement et continuellement réprouver les erreurs. Il faut accomplir le vêtement avec de la rigueur et un réel bonheur. Pour honorer consciencieusement et de manière irréprochable tout paiement en argent, il faut faire briller aux yeux des incrustations sur le vêtement, lui donnant un éclat triomphal et digne d'éloge. En effet, par exemple, mettre une ceinture est un vrai embellissement et a pour effet d'élever noblement et naturellement le vêtement. La bienveillance est de consolider les coutures par une forme en croix réalisée entre deux liens. Cette recommandation est une volonté directrice indispensable pour avoir de la reconnaissance en donnant une garantie suffisante à nos clients. Bien, voilà, Léonard est formé et maintenant il va pouvoir commencer à inventer.